Nous voici dans la savane, royaume des dinosaures. Si tout est tranquille et calme, méfie-toi de l'eau qui dort. Voici Cror et Totor, de malins vélociraptors. Ils ont volé un bébé œuf. Quel sale coup alors! Dis bonjour à nos amis. Rocky, Tini, Bill et Mazu. Rocky lance la balle. Attention derrière toi, Mazu. Cror se prend un mauvais coup. Elle voit des étoiles partout. Mais Totor est déterminé à récupérer leur œuf volé. Les raptors s'enfuient avec l'œuf, malgré les efforts de nos complices. L'œuf semble perdu à jamais. Mais Mazu découvre un indice. Attention, c'est quoi ça? Sur le sol, juste là. Les raptors ont laissé des traces de pas. Ainsi, on les retrouvera. Nos amis trouvent les raptors. Ils ont toujours l'œuf avec eux. Le sol commence à trembler. Une ombre gigantesque les recouvre. Gigantosaurus est arrivé. Les raptors s'enfuient, affolés. L'œuf fait un vol plané. Vas-y, Rocky, il faut l'attraper. L'œuf est en sécurité. Giganto peut s'en aller. Mais d'où vient donc cet œuf? Qui pourra nous aider? Que voit-on haut dans le ciel? Notre ami Egan apparaît. Rocky lui confie l'œuf. Est-ce que tu peux t'en occuper? Les amis la remercient. Egan s'élève dans le ciel. L'œuf sera bientôt dans son nid. Les dinosaures en sont ravis. Quelque chose tombe du ciel. Une météorite de l'espace. Elle bloque le cœur du volcan. La savane est prise de tremblements. D'autres rochers tombent du ciel. La tanière des dinosaures est bloquée. Egan essaie de les éviter. L'œuf doit être protégé. Egan zigzague dans le ciel pour éviter la pluie de météores. L'œuf tombe de son bec. Pauvre bébé dinosaure. Les amis foncent vers leur tanière. Avec leur télescope, ils verront le volcan. Un rocher géant bloque leur passage. Quel malheur, c'est désespérant. Mazu se rappelle soudain de son fidèle observateur d'étoiles. Il ne reste plus à présent qu'à grimper en haut de ce plateau.
Une fois arrivé au point le plus haut, Masu observe et comprend. Le rocher refoule la pression du volcan et provoque des secousses dans toute la... Ouf, c'est juste notre ami Hayati, une adorable brachiosaure. Vous devez sauver les œufs. La sage dinosaure nous supplie. Toute la savane a été secouée. De leur nid, les œufs sont tombés. Les raptors sont tous à l'affût. Il n'y a pas de temps à perdre, les amis.
Le sol se remet à trembler, mais les œufs sont en sécurité. Giganto renifle une piste et il la suit, tout agité. Regardez ces délicieuses noix. Il y en a vraiment partout. Ramassons-les pour Giganto, ça le rendra fou de joie. Qu'y a-t-il sous ces feuilles? Vas-y, Mazu, montre-nous. Regardez tous ces bolides. Il y a une routière pour Rocky, une monospace pour Mazu, il y a un bolide pour Bill et aussi une tout-terrain pour Tini.
démarrez vos engins, les amis. La piste nous attend, c'est parti. Si on veut attraper Giganto, il faut y aller plein pot. Les dinosaures foncent vers la jungle. Les voilà enfin arrivés. Mais ce pauvre Bill est affamé après une si longue traversée. Bill aperçoit des fleurs savoureuses. Il est temps de se régaler. Son appétit prend le dessus. Il laisse ses amis faire le guet. Les fleurs ont l'air délicieuses. Leurs couleurs sont pleines d'éclat. Mais quel est ce bourdonnement? Oh non! Cours, Bill, dépêche-toi! Les abeilles arrivent en trombe. Les amis se cachent derrière un trou. L'essaim leur passe juste à côté. Le danger est pour l'heure écarté. Regardez, c'est notre ami Rugo en train de ronger le tronc. Rugo commence à parler. Tous l'écoutent avec attention. Les abeilles sont en colère. Leurs ruches sont toutes cassées. Il faut remettre les œufs dans leur nid. Pourra-t-on tous les trouver ?